Donc, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, dans sa tradition, ne manquait pas de réciter une partie déterminée du Coran chaque jour. Donc, ça, c'est la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes, leur partie déterminée, c'est quoi? C'est un hizb. Il y en a, c'est un juz. Il y en a, c'est deux juz. Il y en a, c'est une page. Toi, maintenant, est-ce que chaque jour, tu as une partie déterminée du Coran que tu récites de façon permanente? Est-ce que tu as ce Nancy? Et c'est là où on va se poser des questions. Et c'est là où on va voir, en réalité, hein, est-ce qu'on suit la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou pas. S'il y a des personnes, on leur dit, est-ce que vous lisez le journal tous les jours? Tous les jours, il lit son journal. S'il n'a pas lu son journal, hein, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. De même, ouvrir ses applications, checker tous les messages que tu as reçus, toutes les notifications. Ça, on fait de manière hebdomadaire, tous les jours, de manière journalière. Si on ne le fait pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si au bout d'une heure, deux heures, je t'ai réveillé, ah, j'ai oublié de regarder mes notifications, ah, j'ai oublié d'ouvrir mes emails. Mais tu as oublié d'ouvrir ton Coran, tu as oublié d'ouvrir ton Mushab. Donc, subhanallah, regardez cette technologie, quelque part, elle est bénéfique pour nous, mais comment est-ce qu'elle est venue petit à petit substituer, remplacer, effacer la tradition du messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui bénéficie pleinement de cette technologie, c'est lui qui a réussi à faire la distinction entre ce qui était bénéfique et qui a su l'utiliser de façon mesurée. Alors que celui qui a tout simplement exagéré dans son utilisation jusqu'à délaisser les traditions du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le perdant.